Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo haul et try on, puisque j'ai encore un peu craqué, donc j'ai fait des achats à Primark et sur le site de Shein, et j'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté, les bons plans que j'avais trouvé. Donc je vous laisse avec la suite si cette vidéo vous intéresse, let's go. Donc évidemment je vais vous faire un try-on avec les vêtements pour que vous voyez à quoi ils ressemblent portés, puisque c'est toujours plus simple de se rendre compte ce qu'ils donnent une fois portés sur nous. Donc je vais commencer tout de suite par le site Shein. Donc évidemment je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens des articles pour que vous puissiez les retrouver, en tout cas ceux qui viennent de Shein. Comme ça sera plus simple. S'il y a un article que je vous présente qui vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien et ça va vous diriger directement vers la page de chez Shein. Donc premièrement j'ai acheté cette petite jupe motif léopard, donc marronné noir comme ça, parce que j'aime beaucoup le motif léopard, c'est vrai que ça revient assez à la mode en ce moment. Donc c'est une jupe assez simple comme ça, resserrée avec un 2, donc avec un élastique autour de la taille, et en bas elle est assez évasée et il y a deux espèces de tulle, donc je trouve que vraiment portée elle est super mignonne et ça change des modèles qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'elle est assez originale, et par contre le défaut c'est qu'elle est assez transparente, parce que c'est quand même une matière très fine et transparente. Et au niveau du prix, elle m'a coûté 11 euros, donc voilà. Mais comme vous savez, sur Shein il y a toujours des promos, donc là j'avais une promo de 20% sur la totalité de mon panier, donc ça me revenait quand même moins cher les articles. Ensuite, toujours pour rester dans la mode des motifs léopard, j'ai acheté cette petite blouse, donc encore léopard, mais c'est pas exactement la même couleur, là c'est une couleur un peu plus claire, donc je dirais beige. Donc j'aime un peu plus cette couleur parce que c'est vrai qu'elle est un peu plus passe-partout. Donc c'est une petite chemise avec un col V à l'avant, avec des petits volants comme ça, et elle est resserrée ici au niveau des poignets, et encore c'est du synthétique, donc c'est une matière assez fine. Et au niveau du prix de cette chemise, elle m'a coûté 13 euros. Ensuite, comme autre bas que j'ai pris chez Shein, j'ai pris ce short en simili-cuir, donc qui est resserré au niveau de la taille avec des petites cordelettes comme ça, et je le trouve assez mignon. Bon là il est froissé, donc peut-être qu'après avec la machine il va se défroisser. En tout cas il pue pas trop, parce que d'habitude quand on commande du simili sur les sites chinois, c'est vrai que ça a une odeur pas très agréable, mais là ça passe. Au niveau de la taille, normalement les hauts je les prends S ou M, ça dépend en fait, je regarde vraiment les commentaires sur Shein. Et là pour ce short j'ai pris en S, d'habitude je prends du M, parce que même si je fais du SM au niveau du bas, je prends toujours une taille au-dessus sur les sites chinois, parce que je préfère que ça soit trop grand que trop petit. Mais là j'ai lu les commentaires et vraiment ils disaient que ça taillait grand, donc j'ai pris du taille S, et même S ça me taille trop grand, j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Donc voilà, si vous voulez prendre cet article, je vous conseille de prendre une taille en dessous si vous voulez qu'il vous aille mieux, parce que moi il me va un peu large. Et ce short-ci m'a coûté 9 euros, donc vraiment c'est un prix hyper raisonnable pour un short de cette qualité là donc ensuite on va rentrer dans le domaine des blouses. Si vous regardez souvent mes hauls, vous savez que j'achète beaucoup de blouses, j'adore vraiment les blouses, j'en porte tout le temps parce que je trouve ça hyper élégant et classe. Donc j'ai pris cette petite blouse chemise, elle est noire, transparente, avec des petits pois. Au niveau des manches, elles sont assez bouffantes et elles sont resserrées ici. Donc c'est des manches 3 quarts, elles n'arrivent pas au niveau des poignets, donc elles sont resserrées au niveau des avant-bras. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le détail du col, donc noir, un peu plus foncé. Et après, elle se ferme avec des petits boutons, mais voilà, je trouve que ça fait vraiment très classe. Et cette chemise m'a coûté 11 euros. Et ce que j'aime beaucoup porter sous ces chemises, puisqu'elles sont un peu transparentes, ce sont des petits hauts, enfin des petits crop tops noir. Donc c'est ce genre de petit crop top noir, donc tout basique, où là par exemple j'en ai pris un en V parce que j'aime beaucoup et je trouve que ça met en valeur la poitrine. Il s'agit ici d'une petite rassière noire en espèce de synthétique, donc c'est vraiment pas du coton, c'est vraiment une matière assez fine, avec des petites bretelles. Donc vraiment ce que j'adore c'est le détail des bretelles, elles sont vraiment toutes fines. Ça a l'air assez fragile, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que ça peut facilement casser. Et cette petite brassière m'a coûté 7 euros. Ensuite j'ai pris une autre blouse transparente, mais cette fois-ci en couleur blanche, puisque vous savez que mes deux couleurs c'est le blanc et le noir, donc je prends tout en blanc et noir. Donc c'est une blouse comme ceci, donc elle est resserrée au niveau du col, j'aime beaucoup, et au niveau du motif ce sont des petites fleurs brodées sur le blanc, et j'aime beaucoup cette broderie fleur qui est très mignonne et minimaliste.
et encore une fois c'est resserré au niveau des poignets. Et voilà, elle est assez simple et au niveau du bas elle est ondulée comme ça. Et cette blouse m'a coûté 11 euros, et encore une fois je mets des petits crop tops dessus. Donc j'en ai pris un petit comme ça blanc, donc c'est la même matière que le tour que je vous ai présenté, sauf que c'est juste le modèle qui diffère. Donc là il s'agit juste d'un petit bandeau avec des petits lacets blancs, donc encore une fois j'adore quand c'est fin. Là ça a l'air un peu plus solide au niveau de comment c'est assemblé. Ce que j'aime beaucoup au niveau de ce petit bandeau c'est qu'il n'est pas trop transparent parce qu'il est doublé, et au niveau d'une couleur blanche c'est assez rare de voir une matière pas transparente, donc ça c'est le point plutôt positif. Après ça vous pouvez le mettre comme ça l'été ou sous une blouse transparente comme je vous ai montré, moi je l'ai pris pour les deux. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce type de petit crop top parce que ça a plusieurs usages, soit seul soit accompagné d'une blouse. Et au niveau du prix de ce petit crop top il m'a coûté 4 euros, donc vraiment pas cher hein. C'est le prix d'un petit crop top comme ça je dirais. Ensuite je vous montre juste ça, j'ai acheté deux brassières donc en dentelle comme ça qui sont vraiment très mignonnes, donc qui s'attachent autour du cou et qui se ferment au niveau de l'arrière. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une doublure, donc ce n'est pas transparent. J'ai pris de la même en blanche et en noir et j'aime beaucoup ce modèle un peu en dentelle avec des petites fleurs, et je trouve que aussi sous une blouse transparente ben ça c'est très joli et c'est vraiment très classe. Ces deux petites brassières m'ont coûté 9 euros les deux vu qu'elles étaient en lot. Ensuite le dernier crop top que j'ai commandé chez Shein, c'est un crop top un peu plus long, donc c'est juste un tube top noir, c'est juste un bandeau noir assez simple, mais j'aime beaucoup puisqu'il est côtelé, donc cette fois-ci il est pas en synthétique, c'est vraiment de la matière coton, donc ça porte un peu plus chaud. Et en plus il est assez long, donc il cache assez bien votre ventre. Donc voilà, j'aime bien, c'est classe et c'est basique en fait. Il me fallait juste un truc comme ça basique parce que c'est vrai que sous des blouses ou même tout seul, ça fait très bien l'affaire. Ce bandeau m'a coûté aussi 4 euros. Ensuite, la dernière chose que j'ai commandé chez Shein, c'est une blouse transparente noire avec des petits pois comme ceci. Donc c'est vraiment un truc assez basique que l'on peut porter en soirée ou même tous les jours avec un petit t-shirt noir ou un petit crop top. Et je trouve que ça fait très bien son affaire, donc je trouve ça très élégant et très classique à la fois. Et ce petit haut m'a coûté 5 euros. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté sur Shein, et maintenant je vais vous montrer les quelques articles que j'ai pris à Primark. Donc tout d'abord j'ai acheté cette petite blouse noire donc à manches courtes, elle est vraiment super jolie en fait, elle est resserrée ici et après elle est évasée et elle est assez longue, et ensuite elle est noire avec des petites paillettes microscopiques qui sont incrustées à l'intérieur. Et au niveau du dos, j'adore le détail puisqu'en fait c'est resserré ici au niveau du cou et derrière ça se ferme avec un nœud et ça fait tout un dos nu. Donc voilà, j'aime beaucoup cette ouverture avec ce nœud qui pend à l'arrière. Et cette blouse je l'avais vue pendant la période des fêtes, donc elle était à 13 euros pendant la période de Noël etc. Et là hors période elle était à 3 euros, donc je me dis que j'ai bien fait d'attendre puisque vraiment il y avait une grosse différence de prix. Donc Primark en général, une fois que les événements sont passés et que des articles sont encore là, ils baissent énormément les prix. Ensuite j'ai pris un autre petit t-shirt blouse noir, donc j'adore porter, donc encore quelque chose de simple mais de hyper élégant. Donc c'est une espèce de blouse noire en satin, et au niveau du détail sur la poitrine il y a des petites pièces en dentelle, sont vraiment super mignonnes. Donc voilà, j'adore vraiment ce détail. Et ce petit t-shirt m'a coûté encore une fois 3 euros. Ensuite un autre vêtement que j'ai pris, c'est une jupe, donc il s'agit d'une petite jupe en velours comme ceci, donc du velours côtelé, donc j'adore la matière, je trouve qu'elle est trop belle. Par contre le petit défaut c'est qu'elle attrape tous les poils, je sais pas si vous verrez mais il y a vraiment beaucoup de poils qui se sont accrochés, mais sinon à part ça elle est vraiment trop mignonne. Et elle se resserre à l'avant avec une petite ceinture, donc avec une petite boucle au niveau de la ceinture. Et au niveau du prix, elle m'a encore une fois coûté 3 euros, donc je suis hyper contente. Et il faut vraiment chercher pour trouver ces articles à Primark, mais ça reste des habits coup de cœur et pépites. Et ensuite, comme dernier vêtement, il s'agit d'un pyjama, donc c'est un pyjama assez classique. Donc au niveau du bas, il s'agit d'un espèce de petit jogging, mais matière legging, gris comme ça, donc resserré au niveau des chevilles et resserré au niveau du ventre avec un petit élastique. Donc j'aime beaucoup, c'est vraiment confortable pour dormir, je trouve. Et pour le t-shirt, c'est un t-shirt tout basique, comme ça, donc blanc avec des petits points argentés et gris et avec un col rond. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de basique et de trop bien pour dormir. Et ce petit pyjama m'a coûté 7 euros. Et la dernière chose que j'ai acheté à Primark sont des petites boucles d'oreilles assez classiques.
classique comme ça, donc ils m'ont coûté 3 euros. Donc vraiment toutes mignonnes et minimalistes, elles sont toutes petites et j'adore les petits détails qu'elles sont sur ces boucles d'oreilles, et j'aime trop mettre des petites boucles d'oreilles comme ça, ça habille vraiment trop une tenue. Donc je vous ai montré toutes mes petites trouvailles de ce mois-ci sur Shein et sur Primark, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé et vous a donné des bons plans. Et n'oubliez pas que si des vêtements vous ont intéressé, je vous ai répertorié tous les liens dans la barre d'infos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en le likant, en me mettant un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir qu'on grandisse. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous.